Allez, va me TP, t'es un bon chien, t'es un très bon Ouais, chien. moi j'aime bien, je suis un très bon chien, moi. T'es un bon chien, moi. Il y a pas longtemps, je me suis posé la question, comment est-ce que je peux progresser sur Dofus encore plus vite et avec le moindre effort? Un peu comme un chômeur qui gratterait de plus en plus son canapé et gagnerait de plus en plus de thunes. Alors si comme moi t'es un énorme flemmard, un cassos terminé et un abruti fini, alors la vidéo est faite pour toi. J'ai LA solution pour que tu progresses. Je voyais mon Eka, niveau 189, panneau sagesse, et je me disais comment est-ce que je vais pouvoir le monter tout en faisant des kamas. Et c'est là où je me suis dit, abonne-toi. Mets un like, un commentaire, et là tu feras mon plus grand bonheur. Bon bref, en tout cas, je me demandais comment est-ce que je pouvais optimiser ça. Et après réflexion, je me suis tout simplement rappelé que j'avais deux abrutis de potes aussi débiles que moi. Niveau 200, on se te fait comme des Golgottes avec 3 de cul. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque je vais vous donner les recettes clés pour pouvoir les garder le plus longtemps possible. Étant donné que j'ai fait quelques petites erreurs qui m'ont mené à ma perte et que j'ai perdu l'entièreté de mes kamas. En vrai, j'ai perdu que 15 millions. Et je me retrouve à poil au niveau 200 et je peux plus faire de donjon avec eux. L'objectif va donc être de leur donner l'argument clé afin qu'ils t'aident. D'ailleurs, les gars, on est peut-être sur du second degré, mais j'ai quand même pris plus d'1 million de kamas cash et quelques centaines de millions d'XP. T'as compris un peu l'idée? C'est un peu ça, les arguments pour faire rester les gens. Bref, j'étais tout nu avec juste une petite panoplie sagesse d'ailleurs prêtée par mon pote, et j'ai donc trouvé comme argument de faire en sorte qu'il m'aide afin que je puisse à nouveau me stuffer plus tard et refaire des donjons avec eux. Alors que la vérité, c'est dès que j'ai un tout petit peu de côté, je remets tout dans les coffres. Bon, on peut aussi appeler ça du PL, mais gratuit, et en plus on gagne des thunes. Donc on s'est lancé tout simplement dans des Digi Frégost 2 jusqu'à Frégost 3. Les ressources ne sont pas véritablement intéressantes, par contre, avec les succès, on gagne déjà beaucoup de kamakash, et tout simplement les quêtes qui sont liées juste à la réalisation du Digi rapporte beaucoup de kamas. Donc une fois que vous avez réussi à les convaincre, il faut toujours trouver les bons mots afin qu'ils restent motivés. Toi ferme ta gueule. Toi ferme ta gueule. Non, toi ferme ta gueule. 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 Non, toi ferme ta gueule. Tu me parles. Toi ferme ta gueule. Toi. Ta gueule, toi. Toi ta gueule. Toi ferme ta gueule. Non, toi ta gueule. Toi ferme ta gueule. Toi ta gueule. Oh, il manque un peu même pour fumer ce bâtard. Bah ta gueule alors. Toi ferme ta gueule. Non, toi ferme ta gueule. Et une fois que vous instaurez cette magnifique ambiance, alors vous pouvez avancer sereinement. Les salles s'enchaînent et petit à petit vous arrivez à gagner votre pain, plus de l'XP et en plus de ça dans une entente mémorable. Dépêche-toi de jouer, sale mange caca, va. C'est pas tranquille en fait. Allez, mine-toi, t'es trop long. J'ai besoin d'XP, mais ferme ta bouche. Mais toi ferme ta bouche. Non, toi ferme ta bouche. Toi ferme ta bouche. Ferme ta gueule. Tu le passes, tu veux le full succès. Toi ferme ta gueule. Allez, voilà, mange mes morts. Non merci, ça ira. Honnêtement les gars, est-ce qu'une ambiance comme ça, ça fait pas rêver? Ou en tout cas, tout se déroulait parfaitement et on a même pu terminer notre obsidiantre avec le moins de succès possible. Versatile. De toute façon, Alexis, versatile, tu le tiens pas en tour. C'est versatile, moi je sais le faire. Hein. Non mais toi, c'est ta carte bancaire qui te PL, toi. Allez, Versa, même pas en tour. On bat les couilles, versatile. C'est versatile, moi je sais le faire. Hein. Il est pas mort encore, là? L'autre, il aurait une flèche de jugement, il y a 40%. Et alors? Je tape plus que toi alors qu'il a 40%. Heureusement, je peux citer. Et comme je vous le disais, les ressources qu'on drop sont pas forcément très intéressantes. Par contre, à chaque succès qu'on fait, alors là, c'est pas mal de kamas de gagner. Bon, après, nous, on n'a pas forcément cherché à tryhard, on a juste voulu aller vite. Et les gars, dans l'histoire, faut pas oublier que moi, je ne fais absolument rien. Donc, c'est tout bénef, étant donné qu'en plus, on a les récompenses des quêtes, comme vous pouvez le voir ici, ce qui rapporte même quand même pas mal de kamas. En tout cas, une fois l'obsidiantre terminé, on se devait d'aller au Tengu afin de continuer cette ascension phénoménale en Kama et en XP. Alors, il y a quelque chose que j'ai pas forcément précisé par rapport à mon astuce. Jouer avec des amis comporte des risques. Ces risques sont influencés par plusieurs facteurs. L'heure à laquelle vous jouez, la durée du temps de jeu que vous avez, la fatigue accumulée au cours de la journée et de la session de jeu, et l'état du cerveau. Et ce qui suit va vous montrer les conséquences d'une optimisation non sans risque. Allez, va me TP, t'es un bon chien, t'es un très bon chien. Moi j'aime bien, je suis un très bon chien. Bon chien, moi. Moi, je suis un bon chien, chien. Ah, putain, c'est un bon chien. Moi, je suis un bon chien, moi. J'aime bien taper les copains. Non, à chaque fois, je me trompe de chemin, ta mère. Toi, t'es pas un bon chien. Moi, t'es pas un très bon chien. T'es pas le plus malin des chiens, toi. Comment tu peux te tromper alors que t'es un dédé autopiloté? T'es pas un dédé autopiloté pour aller chez dans le bon ventre. Ah, bah, j'ai pas un bon chien. Ah, non, c'est pas un bon chien, lui. Ah, non. Ah, c'est bien, moi, je veux bien spé, moi, au boss. Non, c'est mort. Mon cul, si on fait pas spé. T'es pas un bon chien, si on fait pas Si on fait pas spé, je suis pas un bon chien, moi. On fait un Fuji, on fait un Tengu. Enfin, un Tengu, parce qu'il faut que je passe le Tengu. Bah, tu sais que si on fait le Fuji, tu passes le Tengu aussi. Eh ben, alors, on fait un Fuji. Je sais pas si on peut faire les deux spé en un, avec le Fuji. Je sais qu'on peut faire des succès sur les deux en même temps. Genre, le duo, on peut passer sur le... On peut faire les deux en même temps. Mais le spé, je sais pas. Bah, mais c'est un chien, pardon. Mais, ah oui, t'es un bon chien quand même. Ah ouais, je suis quand même un bon chien par contre. Et tu sais comment tu pourrais être un bon chien? Non, dis-moi. En faisant dernier. Ah ouais, je veux bien parce que je suis un bon chien. Ah bah oui. Mais sauf qu'il peut pas. Il pourra pas faire de mal.
Ah non, c'est ça. Ah, mais quel salope. Il a même pas essayé. C'est le plus gros étron que j'ai jamais vu de ma vie. Mais non, mais toi, je t'ai offert une Dame Jess. Déjà, tu me dois la vie. D'un coffre à l'autre, c'est. Beau gosse. Oh, mais méchant. Oh. tu me dois allégeance jusqu'à la fin de tes jours. Oui. Spé. C'est un bon tout de souffle, ça. Tire. Je l'ai jamais là, frérot. Bah, il fait. Spé. J'ai une tête salée d'une classe. Et je vais te foudre aller. Ouf. Oh, 42 millions d'XP. Putain, le mec, il drop toutes les clés. Bon, si vous êtes encore là dans la vidéo, sachez que ce n'est pas terminé. Je remets un peu le contexte, évidemment. Il était 2h du mat, on n'était pas sous 8-6. Par contre, on était quand même bien fatigué. Bon, en tout cas, une fois ce digi torché, on est passé au Cori. T'as dit quoi là? T'as dit pas mal les blazes. Pas mal les blazes de qui? Attends, tu vas faire une recherche Google sur les blazes? Non. Du coup, on va faire Mythic Zombie. Franchement, je suis à deux doigts de lancer un live, de mettre en titre. On est des bons chiens, nous. Il est bon. Parler comme des gros débiles sans vous prévenir. On est des bons chiens, nous. Il est bon, ce clou, nous. Pêche ma bière. Ma lubie. Ah, le bâtard est si mignon. Mais sauf que j'ai. Oh oui. Oh, 28. Oh. C'est pas mal, des blazes, hein. Oh là, la bidoche gâtée là, 22 000. Bon, comme vous pouvez le voir ici, ça rapporte plutôt bien. Pour un seul donjon, on est sur du 140 000 kama cash, plus les kamas de la quête. Et tout ça, je le rappelle très rapidement et sans rien faire, il faut bien choisir ses potes, faut quand même qu'ils soient bien stuff. Et on a donc décidé de terminer cette fabuleuse soirée avec un colosso. Bon, je vous préviens, on était déjà à bout de nerfs avant, alors là, c'était littéralement du n'importe quoi. Il est trop chaud. Dépêche-toi, gros de l'art. Il est trop chaud. Hop là, moi je fais ça. Je fais un bon chien. C'est un bon truc. En tout cas, merci les gars, vous faites une belle bande d'électrons pourris. J'espère que vous avez droit pour moi, parce que ça va pas se faire à ce moment. Oh oui, j'ai globe, trop bien. C'est un bon chien efficace, là. Là, c'est un bon chien, chien. Moi, j'ai pris que 700 000 kamas, c'est tout. Alors, toi, déjà, tu vas te calmer parce qu'on t'a PL. Non, vous n'avez pas PL, c'est moi qui vous ai PL. Croto Choco. Crotte au choco, monsieur délicieux. Et puis bon, le lendemain matin, on s'est quand même décidé à faire le glour céleste pour bien terminer Frigost 2. Cette fois-ci, on était en duo, on a toujours été très rapide. Bon, même si entre guillemets, pour moi, c'est assez simple, j'ai juste à faire du passe-tour. Mais en tout cas, on a passé le donjon en duo cette fois-ci. Et en quelques heures de jeu seulement, je me suis fait plus d'un million de kama cash et je suis passé au niveau 193. Bon, en tout cas, sache que si t'es resté jusque là dans la vidéo, déjà t'es un gros malade mental. J'espère que vous l'aurez compris, mais c'était une vidéo un peu plus détente. Ça me tenait à cœur de partager ces moments que j'ai passés avec mes potes hier soir sur le jeu. On a nos délires entre nous et on s'est bien marré, donc c'est ça qui compte. Peut-être que chez vous, ça évoquera un certain malaise, mais en tout cas, moi j'ai quand même envie de vous le montrer. Et si t'as envie de me montrer que t'es resté jusque là dans la vidéo, alors n'hésite pas à m'écrire par exemple double vitrage en commentaire. Et si tu fais ça, alors je sais que tu feras partie de l'élite de la chaîne. Je te fais un énorme bisou et je suis un bon chien.